je vous ramène. Tu mets en blanc, ça marche. Impeccable. C'est les doses qu'on attendait depuis très longtemps, donc on est content que ce soit là. Dimanche matin, 31 janvier, les vaccins tant attendus sont arrivés à l'EHPAD de Souffolweyersheim. Il y a 28 flacons à raison de 6 doses. Nous pourrons donc vacciner 168 personnes. Voilà, c'est parti. Première vaccination ce matin. Bonjour. Première sur la liste, Marie-Madeleine Thalmann, 79 ans, prête à recevoir l'injection. Mais je pense que ça va me servir à me remettre en forme. Un peu rassurée, quoi, si j'ai le vaccin maintenant. On y va ? Il a fallu recueillir l'ensemble des consentements de façon écrite, donner une information claire à chaque résident sur les effets indésirables qui peuvent survenir, les effets secondaires. Mais tout le monde a bien joué le jeu et j'ai une immense majorité de résidents qui vont se faire vacciner. C'est-à-dire à plus de 95%, les résidents ont dit oui. C'est bon ? Sans douleur. Moi, je suis pour le vaccin et pour pouvoir librement de nouveau une fois circuler. On va effectivement pouvoir vacciner les résidents, mais également les salariés, notre prestataire qui travaille sur place, la Sodexo, les intervenants extérieurs, je pense aux kinés, aux médecins, etc. Donc tous les intervenants qui travaillent ici à l'EHPAD. Vous n'avez pas la tête qui tourne ? Tout va bien ? C'est fini, hein ? Les résidents se sont succédés pendant 3 jours pour recevoir leur première injection. La deuxième est programmée les 21, 22 et 23 février.